Forcément, c'est obligatoire, vous connaissez tous ce générique bien cheap. Voilà, les Power Rangers, une série américaine, me semble-t-il, un peu façon sitcom AB Productions, mais avec des gens déguisés et des vrais méchants, très méchants, qui font peur, et nos héros avec les combinaisons de toutes les couleurs qui s'unissent pour former, je crois, ce qu'on appelle un Zorg Megazorg, une sorte de gros robot très très grand pour aller se battre avec les grands méchants. Le film arrivera en 2017, l'info n'est pas nouvelle. Oui, ils vont faire un film Power Rangers, et ça pourrait d'ailleurs avoir beaucoup de succès, puisque beaucoup de gens en parlent, et visiblement beaucoup de gens sont pressés de voir cette adaptation au cinéma des Power Rangers. Il y a même une info qui est tombée aujourd'hui. Regardez ce petit robot qu'on voit aussi dans le générique, qui s'appelle Alpha 5, qui est le petit robot un peu gaffeur, le droïde un petit peu façon Star Wars, qui a du mal à interagir avec les humains parfois. Et bien, c'est la nouvelle du jour, ce petit robot Alpha 5. Lui aussi sera dans le film Power Rangers, et c'est vraiment un truc qui fait beaucoup parler outre-Atlantique, j'ai envie de dire, la présence de ce petit robot Alpha 5. Allez, pour le plaisir, on se remet encore un petit extrait du générique de Power Rangers, en espérant que le film soit un peu moins sitcom et un peu moins cheap. Que la liberté est douce après 10 000 ans de captivité. Je vais enfin pouvoir conquérir la Terre. Alpha, l'État s'est échappé. Pour lutter contre elle, il nous faut des jeunes courageux et forts.